Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Je vous invite tous à une, à un petit moment de prière. Mais chantons tous au cantique 512 à Digmalay, 512, dont les paroles sont les suivantes. Nye di nye si, nye ma wu, wo, wola lolola, we glore kwele kekia mesi, ne natyo nam vinye. Nye lolonu nana la nye si, me tue na wo ple di jo gade, Nyeji, nyesi, nyeji, nyesi. Di nyesi, o, lona kwe nam jro, nenye be ekble han. Mwetue na wo, alesi mate wwi. O, magado vle o. Jo jro, o emefun, nouvo han. Bon moussin de Edjikin. Nye nou vondi. Nye nou vondi. Avant de passer à la prière, réfléchissons un tout petit peu sur cette petite phrase qui est la suivante. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Même les scientifiques, les savants, les voyants, etc., etc. Cela a été depuis l'Antiquité, avec l'annoncement de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et demeure un doute dans le cœur des hommes, spécialement les scientifiques. Je n'accuse personne. Je n'incrimine personne. C'est ce doute qui continue à se développer dans le cœur des hommes pour ignorer la présence et la puissance de Dieu créé. C'est ce que nous vivons en cette période du Covid. 19. Nous trimballons dans la peur et l'angoisse. Raison pour laquelle j'ai osé dire qui a cru qu'en cette période de l'année 2020, c'était les meilleurs vœux du monde. Surtout la santé qu'on a demandé. Mais, qui aurait cru que cet événement viendra tous nous mettre dans un état jamais imaginé, difficile à l'homme même d'inventer. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous n'avons aucun pouvoir si ce n'est que Dieu seul. Si ce n'est que Dieu seul qui est grand. Prions. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que tu as créé par ton pouvoir, les hommes, les animaux, la terre, les forêts, les eaux. Nul n'est comparable à toi. Par ton amour, tu as tout mis à notre disposition pour nos besoins. Mais l'homme, depuis la création, a été toujours désobéissant jusqu'à en arriver à la tour. Nous voici devant toi en cette période
où le monde entier est chamboulé, bouleversé, vivant dans la peur totale et l'angoisse, sans épargner les riches, les pauvres, les puissants, les faibles. Nul n'est à l'abri. Par ta puissance, ta sagesse s'est révélée à l'homme d'adopter le mode de confinement que l'homme même est incapable d'instaurer dans ses chez pour te rencontrer. Tu as agi et le monde est au ralenti et même en arrêt. Oh, que tu es grand! Nous venons tous à toi avec un cœur reconnaissant pour te demander pardon à travers cet événement où tu nous as à reconnaître ta puissance et je suis que tu es. Nous nous tournons vers toi comme cela a été toujours avec ton peuple, comme dans 1 Samuel chapitre 25, où le peuple mourait quand le roi David avait compté le peuple après la guerre. Ta colère avait frappé le peuple qui tombait, plus de 70 000 morts par jour. Mais tu es un Dieu de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Car ton nom est paix, amour, patience et bonté. Tu as ordonné à l'ange d'arrêter. C'est ce que nous te demandons, d'avoir pitié pour ton peuple dans le monde entier. Apprends-nous, Seigneur, à compter pour gagner ta sagesse, car tout appartient, tout ce qui est au ciel et sur la terre. C'est toi qui es le premier créateur avant que l'homme ne crée. Période à laquelle tu nous appelles à s'approcher plus de toi, qu'on soit croyant ou pas, pour savoir que toi, Dieu seul, est grand. Comme tu l'as juré par ta parole et par ta vie, que tu ne dépeupleras pas la terre. Nous te prions de se souvenir de ta promesse. Tu as promis que les intentions et projets insensés des méchants seront irréalisables parce que tu es avec nous. Merci pour cette promesse. Merci Seigneur. C'est en ces mots, Seigneur Dieu Tout-Puissant, omniscient, omnipotent, que nous te demandons le pardon car le monde entier vit dans la peur et l'angoisse en suivant la ligne linéaire qui nous conduit à la mort sans s'en rendre compte. Aide-nous, Seigneur, à la ligne circulaire pour reconnaître ta puissance, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que rien ne dépasse, le Dieu qui est grand en toutes choses. Tu es notre seul secours. Écoute nos prières que nous t'adressons pour l'humanité.
et en particulier pour notre pays, le Togo, pour qu'aussi ta paix règne en ta puissance. Que la paix gagne les cœurs méchants qui ne pensent qu'à eux seuls. Nous te demandons de faire ta paix sur le pays pour montrer que tu es Dieu. Fais briller ton amour dans le cœur des méchants pour que leur cœur de pierre devienne un cœur de chair, car seul couvre les péchés. Nous te disons merci, ô Père Tout-Puissant, que tu as écouté nos prières qui s'élèvent à toi. Que ton pardon surabonde, comme ça a été toujours. Que ton pardon, qui est amour, paix et guérison, gagne nos cœurs meurtris, pour que ton nom soit élevé au cœur. Seigneur, c'est au nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. À lui seul la gloire et la victoire pour les siècles des siècles. Amen. Quatre domaines.